Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Et aujourd'hui, mais oui, aujourd'hui, on a plein de nouvelles sur la mise à jour de jeudi. Donc le 18 mars, on attendait, enfin j'attendais vraiment, vraiment avec grande impatience aujourd'hui un trailer, mais il n'y a pas de trailer. Du coup, en fait, eh bien j'ai récupéré sur Twitter, c'était renvoyé vers le site de Nintendo. Donc ce sont des informations officielles. Évidemment, on est sur le site de Nintendo et il y a plein de nouveautés. J'espère que vous avez la hype. Moi, j'ai la hype de ouf. Hein. Vraiment, je suis super contente. J'attendais peut-être un tout petit peu plus pour les 1 an du jeu. Mais franchement, c'est déjà méga, méga, méga cool. Donc, on va voir tout ça ensemble. Si vous me découvrez sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, évidemment, à mettre des petits pouces bleus. Et donc, c'est parti. Donc, nouvelle mise à jour gratuite d'Animal Crossing New Horizons du 18 mars apporte de nouveaux habitants, de nouveaux objets et bien plus. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà fait une vidéo au sujet eh bien, des habitants et des objets Sanrio qui vont arriver. Donc le 18, à partir de 18 pour toutes les personnes qui ont déjà les cartes Sanrio, donc Hello Kitty, il y a quoi, il y a My Melody, Cinnamon Roll et Pompon Purin, eh bien vous pourrez déjà les utiliser et ça c'est trop cool parce que du coup vous allez pouvoir inviter ces nouveaux habitants. Il y a 6 nouveaux habitants dans cette mise à jour et franchement c'est trop cool, des habitants avec des thèmes différents, donc le thème d'Hello Kitty, le thème comme je vous l'ai dit de My Melody, de Cinnamon Roll et Pompon Purin. Et donc du coup ces habitants là seront associés à des objets que vous pourrez également débloquer. On n'a pas plus d'informations sur les objets et tout ça. Je pense qu'à mon avis, eh bien, ce sont des habitants que l'on ne pourra pas chasser sur les îles mystères. En tout cas, ils n'en ont absolument pas du tout parlé. Et je pense qu'à mon avis, ça sera uniquement avec les cartes. Donc il faudra à tout prix avoir les cartes pour pouvoir avoir ses habitants. C'est ce petit côté un peu exclusif. Je sais que tout le monde ne sera pas forcément très content de ça, mais bon, moi je trouve que c'est déjà cool. Et donc vous pouvez les acheter, les cartes, tout simplement sur plein de sites internet. Il faut essayer de chercher un petit peu. Moi je sais que je les ai précommandées sur le site de la Fnac, mais je crois qu'ils sont en rupture. Il faut essayer de chercher un maximum, mais je sais qu'ils vont rééditer à la fin du mois et ils le disent d'ailleurs sur le site de Nintendo. Donc essayez de chercher un petit peu partout si vous pouvez vous procurer ces cartes là en tout cas. Donc voilà, ça c'est pour la partie et eh bien Sanrio Hello Kitty. Ensuite et eh bien on a une très très bonne nouvelle, une nouvelle, j'ai halluciné, j'étais trop contente, je m'y attendais absolument pas du tout. Et d'ailleurs vous verrez parce que demain je vous ai préparé un let's play sur la chaîne qui parle de motifs. Et du coup, si j'avais su, eh bien, j'aurais pas fait ce let's play-là, mais c'est pas grave, je vais quand même publier la vidéo, parce que c'est cool, donc elle sort demain. N'oubliez pas de mettre la petite cloche, comme ça vous serez averti quand elle va sortir la vidéo. Évidemment. Donc, application motif perso améliorée, on pourra, donc, dès après avoir fait la mise à jour, donc jeudi, comme d'habitude, vous inquiétez pas, pour tous ceux qui ne savent pas faire les mises à jour, je fais tous les premiers jours de mise à jour une vidéo qui vous explique du début jusqu'à la fin, c'est hyper simple, c'est pas du tout compliqué, mais je sais qu'il y en a plein qui savent pas le faire. Donc je fais cette vidéo et je vous expliquerai exactement comment faire cette mise à jour. Donc après avoir fait cette mise à jour, eh bien vous pourrez aller dans le Nook Stop, donc la petite machine, la borne qu'il y a dans la mairie. Et donc on pourra débloquer, comme vous pouvez le voir, donc les motifs perso pour pro et le portail des motifs perso. Et apparemment, donc d'après ce qu'il est dit, il y aura 50 places supplémentaires pour les motifs perso et 50 pour les motifs pro. C'est incroyable. Je sais pas si ça vous hype, mais moi, j'attendais et je l'ai dit tellement de fois sur mes vidéos, sur mes lives, que c'est vraiment ce que j'attendais. J'avais trop envie d'avoir de la place supplémentaire et je vous dis que ça, qu'il me manquait vraiment de la place, parce que vous verrez la vidéo, c'était une vidéo que j'ai tournée aujourd'hui et qui sera publiée demain, et vous verrez, j'en parle, et je savais pas qu'on allait avoir ça dans la mise à jour. Du coup,
c'est trop cool. C'est trop trop cool. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas? En tout cas, moi je trouve ça super cool. Je trouve ça vraiment vraiment super cool. Ensuite, et ben pour les motifs, voilà quoi, je pense que tout est dit. Si j'oublie des choses, n'hésitez surtout pas, parce que je sais que vous êtes tous, il y en a beaucoup qui regardent aussi, beaucoup comme moi, et bien en détail et tout ça, et il se peut évidemment que j'oublie des choses. N'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, ça peut aider tout le monde, et c'est cool de partager tout ça ensemble. Bref, la mise à jour s'accompagne d'un cadeau, et bien oui, on va passer les 1 an d'Animal Crossing New Horizon, et donc du coup, on va avoir ce cadeau. C'est un gâteau, c'est le gâteau du premier anniversaire concocté par Nook Inc. En l'honneur et bien du premier anniversaire du jeu qui aura lieu le 20 mars. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on va pouvoir débloquer cet incroyable gâteau qui est fait de falaises, de pommiers, c'est un pommier, et puis je pense que les buissons, on va dire c'était des camélias rouges, ou du ou, pour les 1 an du jeu. En tout cas c'est cool, quand même qu'ils aient pensé à faire quelque chose. Je m'attendais à un truc un peu plus ouf, mais je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je pense qu'en fait, tout le mois de mars a été tellement dingue, avec la mise à jour de Mario, la mise à jour Sanrio et tout ça, je pense qu'à mon avis, c'est tout ça les 1 an. C'est tout ça en fait ensemble pour les 1 an du jeu, et alors ensuite, nouveaux objets saisonniers, et ça c'est trop cool aussi. Pourquoi? Parce qu'on savait pas trop ce qu'ils allaient faire pour justement, eh bien... faire autre chose que ce qu'on a connu sur les mises à jour précédentes de l'année dernière, eh bien oui, on va avoir le coussin péteur. Et ça, c'est trop trop cool. Ne ratez pas l'occasion de mettre la main sur le coussin péteur disponible à partir donc du 26 mars jusqu'au 1er avril. C'est rigolo quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, moi je trouve ça super drôle. Je sens que ça va pranker dans tous les sens. Et bah j'en profiterai pour faire plein de TikTok d'ailleurs. Du coup, parce que ça va être très 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 rigolo. Et ensuite, eh bien, on va avoir les objets de balles de promo. Ça c'est cool aussi. Franchement, c'est très très cool. Disponible donc du 1er au 30 avril. Ça c'est cool. Et ensuite, donc pour célébrer, je pense qu'à mon avis c'est le jour de la Terre, et bien ça sera disponible du 1er au 10 avril, et pour fêter la nature, un globe qui sera disponible et bien du 15 au 22 avril. Donc voilà, plein de petits objets qui se rajoutent un petit peu, des objets qui sont très très cool pour de la déco en plus. Vous savez que je suis fan de déco, donc c'est méga cool, c'est vraiment très très bien. En tout cas moi j'adore, mon préféré c'est le coussin péteur. Dites-moi dans les commentaires, vous, quel est votre objet préféré de nouveau là qui va sortir sur le mois d'avril, n'hésitez pas à me dire. Je suppose qu'il n'y a pas de date, on n'a pas de trailer donc on ne peut pas savoir. Je pense qu'à mon avis, eh bien, la prochaine annonce sera le 22 avril, parce que comme vous pouvez le voir, eh ben, sur le site, ça s'arrête le 22 avril pour l'instant pour les annonces. Donc je suppose que c'est ça, ce n'est qu'une supposition. Attention, je n'ai pas d'infos en plus par rapport à ça. Ensuite, nouvel objet exclusif pour les abonnés du service Nintendo Switch Online, eh bien on aura cet incroyable tapis ok, qui sera disponible en 4 coloris. Ok, bah ça c'est cool. Ensuite, bientôt l'heure de la fête des œufs. Bah oui, bien, c'est bientôt Pâques. Et donc, on aura un invité, évidemment, surprise. J'imagine que c'est Albin. Enfin, c'est dit d'ailleurs hein, que c'est Albin. Ça n'a pas changé. Par contre, comme vous pouvez le voir, il y a des nouveaux objets. Et on a cette image juste là, donc dans la boutique, avec, vous savez, l'emplacement des objets un peu saisonniers qui sont sur le côté. Et donc, on a, je sais pas trop ce que c'est, une pancarte. Je pense que c'est une pancarte. Et bah écoutez, c'est cool. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on sait qu'il va y avoir de nouveaux objets. Et ça, franchement, c'est vraiment, vraiment top. Ensuite, gagner des points Nook avec le Nook Link. Alors, je sais pas si vous savez, mais vous avez l'application, en fait, Nook Link dans l'application Nintendo Online sur votre téléphone portable. Et donc, il faudra, je crois, se connecter tous les jours pour pouvoir gagner, eh bien, des points. Donc hop, je vous le mets en plus grand, et donc il faudra, je pense, se connecter tous les jours en fait au Nook Link, et ça va vous faire gagner des points, et ces points-là pourront être échangés contre des objets exclusifs
Je ne sais pas si vous avez fait attention, vous avez la tête de Katrina, donc c'est Astrid en français, c'est un PNJ qui vient, je crois que c'est une voyante il me semble. Comme vous le savez, j'ai pas joué à New Leaf, donc je la connais pas vraiment, mais j'en ai beaucoup entendu parler, il y a sa tête, est-ce qu'elle va arriver enfin sur New Horizon? Et bah ça va être super cool, hein. Franchement, je pense qu'à mon avis, on va avoir son apparition sur New Horizon. À voir, je sais pas trop en fait quels vont être ces objets exclusifs, mais en tout cas c'est très très cool, c'est très très cool. Donc pour ces points là, eh bien vous pourrez également, j'ai vu juste ça après, regardez, donc pour 40 points, eh ben on pourra avoir un incroyable poster de Tom Nook. Enfin bref, franchement je sais pas trop ce qu'on va pouvoir gagner et débloquer comme objet exclusif, mais je pense que ça peut être que cool. Donc à partir du 24 mars, on aura la possibilité par un portail apparemment, donc de créer eh bien des brochures pour que d'autres personnes aient envie de venir visiter nos îles. Et franchement, eh ben c'est super cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, je sais pas, je trouve que c'est sympa de pouvoir faire des petites brochures comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est sympa. Je trouve vraiment vraiment que c'est sympa. Et donc je pense que j'ai rien oublié d'autre. Je remonte juste un petit peu, il me semble. Ah oui! Les motifs seront disponibles, je ne sais pas si vous avez capté, j'ai pas pensé à vous le dire avant, mais les motifs, on ne sera plus obligé d'aller eh bien, chez les sœurs Doigts de Fée pour rentrer les motifs. On pourra y accéder directement à partir du Nook Phone, et ça, c'est génial, c'est vraiment génialissime, tout simplement pourquoi? Parce que bah, on se connecte pas forcément toujours à l'heure où les sœurs Doigts de Fée s'est ouvert, et du coup, eh bien, franchement, c'est cool qu'ils aient pu faire ça. En tout cas, je sais pas ce que vous pensez de cette mise à jour qui arrive jeudi. C'est jeudi, je suis trop heureuse, franchement c'est trop trop cool. En tout cas, et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas, si j'ai oublié des petites choses, des petits détails, et ben le dire dans les commentaires. Comme ça, et bien ça aide un peu tout le monde, ça informe aussi tout le monde, ça m'informe moi aussi, hein. Ça arrive d'oublier des choses. En tout cas, un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous êtes hype pour jeudi ou pas? Moi je suis très très hype, vraiment vraiment. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Jeudi, je vous fais comme d'habitude, comme je vous l'ai déjà dit, la petite vidéo pour vous expliquer comment faire la mise à jour. Je sais que vous êtes encore très nombreux à pas savoir faire les mises à jour, donc on la fera ensemble en vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo ou sur un live. Des bisous les kibichis.